monde, c'est Mademoiselle Potter. Hey tout le monde, c'est vraiment Mademoiselle Potter. Se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo car voilà, je voulais m'excuser, excusez-moi si je suis pas encore au top pour faire ce genre de vidéo, mais je voulais vraiment me lancer dans ce style un peu de vidéo, présenter un objet Harry Potter, parce que je sais que si vous voulez acheter cet objet et que vous savez pas à quoi il ressemble, combien il coûte, enfin voilà, si vous avez pas forcément les détails et que vous avez envie de savoir à quoi il ressemble l'objet, et ben voilà, je trouve ça cool de faire ce genre de vidéo. Donc j'arrête de parler, si ça te plaît, je te laisse avec la suite de la vidéo. Alors pour commencer, la pensée est en forme de boîte et comme vous le voyez devant, il y a des espèces de petites fioles comme dans les films. Ensuite, sur chaque côté, il y a marqué Harry Potter. Et sur le derrière de la boîte, vous avez des explications avec le petit signe Warner Bros. Et le petit signe Wizarding World. Comme vous le voyez, sur chaque côté, il y a la fiole de et au milieu, le livre. Bon alors, je vous préviens, les fioles sont en plastique, elles ne sont pas en verre. Donc, ce n'est pas des pages blanches, mais des pages avec des lignes bleues. Et vous avez bien sûr la baguette de Suro, qui est en fait un stylo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Je t'invite à t'abonner, ça me ferait hyper plaisir, car il faut atteindre les 300, c'est hyper important. Je t'invite à rejoindre aussi mon compte Instagram qui s'affiche juste ici car je suis vraiment très active sur Instagram. Je vous le dis vraiment si... voilà, je suis genre hyper active sur Instagram donc je vous invite à aller vous abonner. Moi en tout cas je te fais plein de gros bisous et je te retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye !